Bonjour amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes, nous sommes à l'ADC Mon Télévision, Mbote Nabino, Mbote Sika Bozoami, Mbote Pambate, Bouza Meke, beaucoup d'Andabiso, spécialement Lelo, pour l'actualité politique, Mbouka Nabiso, République démocratique du Congo. Bande Koubalandi, ça chauffe, ici en République démocratique du Congo. Depuis hier, dans la soirée, ça chauffe. Parce que l'église catholique et l'église du Christ au Congo, Balingi, Bazouambo, Cannabiso, RDC en otage. Qu'on se le dise, Tolo ba vérité, Tolo ba bosolo, Bandeko Balandi. Aujourd'hui, nous avons maintenant un nouveau président de la CENI, c'est M. Denis Kadima. En 2020, lorsque Bakenda qui m'a ponami pour te désigner président Sika Seni, très cher ami téléspectateur, c'est monsieur Sidney Kadima Azala Kibongo écarté sous prétexte que c'est monsieur Si c'est un louba. Monsieur Oyo Azat tribu moko na chef de l'État, monsieur Oyo tellement qu'Azat tribu moko na chef de l'État, monsieur Wana a coupé sa Félix Tshisekedi pouvoir et a offélé. C'était ça, leur analyse. Que ce qui M. Wana Alekani, tricherie et Kozalamakasi Nangambo, chef de l'État congolais actuel, parce que M. Wana Zamoulouba, on a associé tribu à Mokonzambo, quand la tribu à M. Wana Denis Kadima pour dire que non, on ne peut jamais avoir un président de la CENI qui est Louba. Et ce monsieur-là, Denis Kadima, il était écarté. Subitement, très cher ami téléspectateur, on a vu apparaître un bon monsieur comme ça, Rosa Malonda, secrétaire exécutif via CENI, lui qui a travaillé avec Nanga. On a voté Malonda et Malonda est sorti président de la CENI. Yeah! Boktoke Nabamponami, avec plusieurs candidats. Or, Rosa Malonda était encore de retour. Lui, à l'époque, qui fut candidat de l'église kimbanguiste, et aujourd'hui, il était candidat de l'église catholique. À l'époque, Rosa Malonda, il était élu président de la CENI. Il fut de l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui, Denis Kadima, il est kimbanguiste. Soit il est le candidat de l'église kimbanguiste. Mais soyons un peu brefs, raisonnez un peu. Tout le monde est solo, il y a une ligne légale qui lobby. Très cher ami téléspectateur, lobby est à qui libéba libika. Lobby les confessions religieuses, les représentants des confessions religieuses, beaucoup plus les six autres, ils étaient entre la vie et la mort. Je peux dire ça. Pourquoi? Parce que il faut seulement voter les candidats de l'église catholique. Il faut seulement que l'église catholique n'abîme. Mais non, soit, bah, je suis CENI, bah, c'est l'église catholique, mais l'église catholique a dirigé deux fois la CENI. Deux fois, malheureusement un et malheureusement deux. Mais pourquoi pas donner la chance à une autre personne? Pourquoi seulement dire que non, c'est seulement les candidats de l'église catholique, celui-là qui est compétent? Pourquoi seulement dire que non, c'est le candidat de l'église du Christ au Congo, que celui-là est compétent, et que les autres candidats ne sont pas compétents? Ils étaient au nombre de 8 confessions religieuses hier, dans le centre interdiocésain, pour ma ponami, il y a président Seni. Mais avant d'abord, ma ponami, il y a président Seni, et l'okoni, il y a les kanaki lobby, très cher ami téléspectateur, on va te bêler, bah, éviter. Hier, pendant que les confessions religieuses Bakutana qui pour voter, toujours pour parler, il faut d'abord audition des candidats. On a vu un groupe de jeunes de Lamouka, de la plateforme Lamouka, Baeko ça la City Nabango devant centre interdiocésain. Et si ga wapi, il fallait pas qu'elle m'apponami à présent un CENI. Message à Lamouka, c'est là qui dit que non. Bako yiko vote, soit CENI, CENICO atinda ba délégué na yé na CENI te,
aussi longtemps que la loi électorale ou en est modifiée. Je parle de la loi électorale récemment signée ici, récemment proclamée, modifiée par l'Assemblée générale, par l'Assemblée nationale et approuvée par les présidents de la République. Donc, selon la Mouka, il ne faut pas que c'est une quoi d'avoir délégué naé sous prétexte que ce qui loi électorale wana est à modifier na consensus. Très cher ami téléspectateur, il y a d'abord première bêtise yangwana. On va te belle bochakate. Bêtise à l'ibosu yangwana. L'influence des jeunes de la Mouka pendant la vote du président de la CENI. Là, personne n'en parlait. Personne n'a discuté. Ce sont des jeunes de la Mouka, ils sont venus manifester. Personne, je dis bien, personne ne les a critiqués, personne ne les a traités de voyous et tout consort. Mais regardez un peu, si c'était les jeunes de l'IDPS venus manifester devant le centre interdiocésain, parce que lorsque les jeunes y a la Mouka, ils étaient accueillis par l'abbé Solé lui-même en personne. Ils étaient accueillis par l'abbé Solé. Nabanzembo ba embeli sole akosholo linga lekuma embeli sole nabanzembo et elekani. Maintenant, ton jora idée que non, ezaki ba jeune ya idée pèse. Ndenge ba yaki wana. Suite ngé za ndenge ni. Peut-être le moment que non ba linga ba nilemba ba élection wana. Pourquoi? Parce que les jeunes et les pèse sont venus pour déranger leur processus. Linga za la bongo. Mais tellement que ce sont les jeunes de la Mouka, il y a pas eu de réaction. Sol était très content. Il les a reçus avec des chansons. Il les a reçus avec leurs lettres. Tout le temps, plusieurs fois, on a continué, très cher ami téléspectateur. On a continué. Nous sommes allés, Kei Sikoyo, dans l'audition, il y a un candidat. Yoka, un candidat. J'étais au nombre de 5 ou 6 candidats comme ça. Yoki, un candidat. Premier tour, il y a un candidat. Katanito, qui est dans le deuxième tour. Comme d'habitude. Donc, il y a un deuxième tour, boye, très cher ami téléspectateur. Il y a déjà Tibaboutou et tout comme ça. Sur 8 confessions religieuses, 6 ont voté pour M. Denis Kadima, le candidat de l'église kimbanguiste. 6 confessions religieuses ont voté pour M. Denis Kadima, le candidat de l'église kimbanguiste. Et cela, directement, Denis Kadima est élu président de la CENI avec une grande majorité, avec une grande distinction. Parce que j'en ai deux voix, l'église catholique et l'église du Christ au Congo. Et tant que Denis Kadima Bimi, l'église catholique avait besoin de changer encore le processus. L'église catholique avait encore besoin de faire quoi? Il y a aussi un peu de manœuvre pour dire que non, on ne peut pas proclamer aujourd'hui, on doit les refaire demain. Pourquoi? Pour dire que non, demain, on va écouter la tête pour ne pas tromper l'église, pour ne pas tromper les 6 autres confessions religieuses. Hier, il fallait pas signer PV. Il y a désignation, soit il y a élection, il y a Denis Kadima. L'église catholique et l'église du Christ au Congo, ils ont refusé de signer le PV. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez comprendre? Le lengi makamonde za ko salema, très cher ami téléspectateur. L'église catholique et l'église du Christ au Congo, ils ont refusé de signer les PV. Ils ont refusé. Pour na bango, il ne fallait pas de Denis Kadima. Il fallait seulement leur candidat. Mais on se pose la question de savoir est-ce que l'église catholique et l'église du Christ au Congo bango faut bloquer mboka mobimba boyi. Na pesa bino loro moko bande walandi. Les gens crient ici que tu sais qu'il doit respecter les calendriers électoraux, tu sais qu'il doit organiser les élections 2023. Mais tu sais qu'il oui, il doit organiser les élections. Mais lorsque la désignation à présent est signée, Isaac Oumela, ton dingue Oumeli Boui, et 8 ans. Parce que dans l'Iroto Kendele, si jamais l'église catholique persiste toujours, l'église catholique est contre la désignation de Denis Kadima, ainsi que l'église du Christ au Congo, ça les bloque. Et que, mettez un peu pour freiner le processus, il y a désignation à président à CENI et à l'autre, cher ami téléspectateur, tu as reçu l'élection 2023. Tu as reçu l'élection 2023.
C'est un peu ça les grands problèmes. Mais vous avez 8. Bilonès, vous avez voix moko. Alors pourquoi Yolingo soit sommité? Pourquoi Yolingo la Sakino Yolingo est la meilleure confession religieuse? Donc ça s'est fait toujours ici au Congo, très cher ami téléspectateur. Ça s'est fait toujours ici au Congo. C'est déplorable pour notre système électoral. C'est déplorable pour nos confessions religieuses. C'est déplorable pour nos dirigeants, nos politiciens. Politique et continuant la catiti à l'Ecclésia. L'air comme il dit comme Moussoussou. Même la population. N'a pas tout à catholique. N'a pas tout à catholique. Bon, on comprend que non, il y a un problème. C'est comme si il y a un problème. Avant de continuer, très chers amis téléspectateurs, je voulais un peu suivre l'appel de l'association internationale RDC Monde. Et juste après, on va rentrer pour continuer nos actualités politiques. Restez branchés et suivez. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino kote mbongo. Moyibe yate lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci Malobaya, présidente RDC Monde Pauline Lumumba à Genève. Bonjour Bandeko. Les lotos CPD qui ont présenté une gamme de légumes séchés. Voici les légumes séchés, maman Mosolo. Nayango, tu as présenté une awa tozalina fumbwa séché, tozalina matembele séché, tozalina bitekuteku séché, tozalina ngai ngai séché, bilolo na biso séché, peu soussou tozalina. Pondu na biso o ezali séché. Ba légumes na biso ezali ba légumes moko o ezali bio, naturel pour la consommation et surtout qu'ezali certifié. Légumes séchés de qualité, certifiés et produits d'un commerce équitable, plein de vitamines, de calcium et de minéraux de toutes sortes. Légumes séchés Maman Mosolo, ezote comme en Amazon, la République démocratique du Congo, pena mokili mobimba. Et qu'occupe qu'on comme la yon en zéla poste. Et bon, il peut pas avoir réserve stratégique pour avoir prison, pour avoir déplacé de guerre et à l'olengue nios. Naza, si on a besoin, il y a des épices, oyo, et qu'on servir bisso na koulamba pour nous na bisso séché. Ah ouais, naza, qu'on tient dembi, na tient ma tungulu, na sous na posé à concombre, na aubergine, nous l'engue bosa komona. Pour nous séché, maman Mosolo. Facile à préparer et excellent pour toute la famille. Pour plus d'informations, allez sur www.moncafood.com ou appelez-le. Légumes séchés Maman Mosolo et Lingue au Wapi. Malgré les filles, il y a l'église, qui, il y a l'église catholique, l'église du Christ au Congo, Banurbalandi, les six autres confessions religieuses, bah, si les Kibongo, Koutanga PV, il y a l'élection de Denis Kadima. Bah, si il y a qui peut PV, il y a l'élection de Denis Kadima. Les lots, très chers amis et spectateurs, si tout va bien aujourd'hui, on va aller déposer. Ma PV on a la carte assemblée nationale. Lelo, on va aller déposer
le PV à l'Assemblée nationale. Maintenant, tu as bien la population. Tu as fait la population, ma toi. Parce que Denis Kadima, aujourd'hui, a aspiré confiance dans Moutou Nyonso. Parce que c'est un expert en matière électorale. C'est un expert en matière électorale. Mais si vous posez la question à Solé, à Mbongo, à Bokundowa, pourquoi vous refusez Denis Kadima? Bah, on y a Mounoko. Mais scandale, moko les gars qui lobby, Bande Obalandi. Scandale, moko les gars qui lobby. Lorsque Basile Siko voté, bah, moi, qui n'a Denis Kadima Moutabimi, il fallait Babima pour pas pesa. Battant un procès verbal ouana. Et après, très cher ami téléspectateur, l'église catholique, tellement qu'il y a les choses seulement qui n'est pas dans Bango, dans le siège dans Bango, ils ne sont pas voulu à ce que les six autres confessions religieuses battant un PV ouana dans le centre interdiocésain. Ils n'ont pas voulu cela. L'abbé Chole a ordonné à ce que non. Babo Maba Minda ya centre terre diocésain. Tout ça qui bon, et qui bon la Gombe. Imaginez-vous à Gombe. Est-ce qu'on peut manquer du courant? Non. Mais l'abbé Chole a dit est-ce que non? Babo Maba Minda Nyonso. Et vous allez voir que non, évêque général de l'église des rêves au Congo, le pasteur Dodo Kamba, a tangi PV wana soit à sa déclaration na Moulili. L'église qui doit nous enseigner la charité. L'église, eux, fait l'exception de la bolingo. L'église, eux, fait l'exemplaire. Mais l'église, c'est comme la pratique MAB. L'église, c'est comme la pratique MAB. Bon, pas seulement l'église, les individus qui sont dans l'église. Ne combattons pas l'église catholique, mais combattons les individus qui sont dans l'église catholique. Comment expliquer les autres, oh, Bazana Lukuna? Les six autres confessions religieuses, mais l'abbé Chole ordonne à ce que non, Babo Maminda Nyon sont à 430 interdiocésains. Et si jamais, les Kamoua Mabé Koumeneki, Moko, il y avait l'idée à confession religieuse, ce qui jamais est que Moko, l'idée à Moko, la confession religieuse, à quoi qui s'y place, et n'y a pas de l'ennemi. Toi, c'est là qui peut être visité par Bato Moko, inconnu, et n'y a pas de l'ennemi. Comment expliquer ordonner que non babo mamwinda poti batuana baye baboko basi bon ko tanga ba PV na bangote. Je crois bien quand il y a corona inanga yele so corona inanga était qui église catholique té quand il y a sous souya malumalu 2 était qui église catholique té mais tu imiter si l'église il n'y ni juste. Donc, c'est maintenant notre cher ami téléspectateur, il y a qu'on soit la conclusion nyonso. Il y a qu'on monte à haut lieu sur les canaux qui lobby. Il y a qu'on soit maillé les pères aux positions. Et perception maillé pour dire que non, l'église a maintenant une position. Ou à ce qu'on soutenir. Ecclésia, ils ont ce qu'on a position, moi, qu'on est à Yango, ils ont qu'on soutenir. Et à tel point, lorsque l'église est là qui se positionne en haut, il a mis sur un bateau, ils ont la ramabé. Eza ma be makasi. Très cher ami téléspectateur, voilà un peu où est le cas qui lobby na Katia centre interdiocésain en ce qui concerne l'élection de M. Denis Kadima, dont le procès verbal et qu'on a l'élo déposé na Katia Assemblée nationale. J'ai aimé aussi la déclaration des autres confessions religieuses qui stipule que non, l'église catholique ne peut pas freiner tout un pays. L'église au Congo ne peut pas freiner tout un pays. Vous allez voir, si c'était un candidat de l'église catholique, Abbé Chole, Alinga Kaya Atanga PV. Eh, Mamba Linga Abongo. Donc, tellement que Zamoutouna Bango tende abimi et poser problème et kaboli bateau. Mais 6 c'est 8. Alors, soit que population est allée contre Denis Kadima, donc au moins on a une population salaire contre Ronsard Malonda. Parce que Ronsard Malonda, on l'a reproché, vu que non, il était le secrétaire exécutif. Il y a CENI, parce que Ronsard Malonda, il y a une tout machine à voter, donc tout près de M. Kabila. Mais aujourd'hui, Denis Kadima, on reproché Nanini.
La seule reproche à Denis Kadima, c'est parce qu'il est kassaïen. Parfois, ça fait mal. Parfois, ça fait mal lorsque le tribalisme est dans l'église. Parfois, ça fait mal. Ça fait mal. Même Gou, Yaroko, Tarabamé, Sangouezate. Lorsque le tribalisme est qu'on soit sommité à Nyosso. Même Gou, Yaroko, Tarabamé, Sangouezate. Même Gou, Yaroko, Kamate, Yabé, Solé, Gouzalate. Même Gou, Yaroko, Kamate, Yamon Seigneur, Utembi, Yamon Seigneur, Ambon, Gouzalate. En vrai dire, Gouzalate. Pourquoi? Parce que lorsque déjà vous combattez Trémi, Songolotom Pakala, et que les autres attribuent dans la quatre églises et centres catholiques, Barolingabino, et que Bakoyo Kamate Labino normalement, je ne crois pas qu'il y a la Malonga. Ils appellent ça ma bé, ma papa épiscopo. Bato ba sengi kolaksa, nzele ya malamu, nzele ya busimbo, nzele ya lusambo, ba changer ma kanisi. Très chers amis téléspectateurs, au Tanganyika, 26 miliciens formés par Zoé ont décidé de déposer les armes. 26 miliciens formés par Zoé, il y a milice ils ont ébélé, ils ont basalement ébélé, formés par Zoé, mais au moins 26 personnes, bah c'est peli kuti kamindouki. Félicitations à ces Congolais, oh bah comme ils ont cépé la kenon lelo kimia ekota na étendu mobimba le territoire national parce qu'ils ont une priorité pour l'amboka na biso. C'est vraiment une priorité pour notre pays, la paix et la sécurité. Et aujourd'hui, Balakipso Ndingisawana, 26 personnes, malgré qu'aujourd'hui, on n'a pas encore élu officiellement le gouverneur de Tanganyika, mais celui qui joue l'intérim, a Kosala Moussala Lolingi Lungubani. Babilo Kosaki caché l'élo, tout le monde en poisson, et comme il y a Kisama, et comme il y a Nana. Bravo! Les miliciens congolais, bah, vous comprenez que non, on a trop tué nos Congolais, nos frères et sœurs congolais. Alors, nous devons quand même changer notre façon de voir les choses, changer notre combat. Aujourd'hui, Tanganyika, Eko Late Lungasika, Eko Tika ba miliciens, Eko Tika ba rébellion, Eko Tika ba pratique Mabé. Pour nous, on doit les encourager, on doit les soutenir, on doit les remercier. Parce qu'il faut qu'on soit conscience. Les Congolais, il faut qu'on soit conscience. Et ils ont absolument la conscience. Ce conscience, c'est que très cher ami, téléspectateur, tout le monde a commencé à marambou. Et que comme Mabongo, Trikitoko. Et pour terminer, hier, à Mboudi, lors de la pose de la première pierre, il y a construction, il y a moi mini barrage, le DG de la SNEL a été hué par la population. Journée moko ma be pour na DGS Nel. Population ba belélié mo yibi pendant son discours. Population ba yembelié kaza mo yibi pendant son discours. Oh, ils allaient pouvoir, il y a les peuples d'abord. Les peuples d'abord a ko manifester mécontentement na devant le dirigeant, devant chef de l'État. Ba biloko tout monde n'est pas ka Kabila. Yo o meka wapi? N'est pas à Kabila où il y a eu Makeno, il y a eu un Mouyibi, il y a eu un Bokangaï, il y a eu autorité, n'est pas à Kabila où il y a eu. Mais aujourd'hui, les Congolais, Fatih et Moko, alors nous comprenons que non, les Congolais sont les Moutouti. Tant de Baololi, tant de Bayembeli, et là, c'est que non, Moutouaza Mouyibi, et là, c'est que Moutouaza est compétent, et là, c'est que non, courant, ils ont bien été à Kinshasa. Et les interpellations, c'est lui Fatih que l'Ongola DG Wana Snell, courant, ils ont mal à Mouté. Pourquoi vous gardez cet homme comme étant DG SNEL? Oh, l'homme est humilié par la population. Il y a qui je m'a béponaillé cet homme-là, ce type-là. Humilié par la population. Pourquoi? Parce que mon yibele qui bango ma kasi. Travail exaté, mon salam longue exaté. Mais bako yiba mbongo, bango mon sol à l'État. Grâce à la population, Fatia a compris que. Vraiment, je dois dégager ce type ici. Vraiment, on doit arrêter ce type ici pour la même gestion. Pas seulement les chasser, mais l'arrêter aussi pour la même gestion. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique RDC Monde Télévision, votre temple de réflexion, comme je dis toujours, on est ensemble. Merci, abonnez-vous, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Bye, à la prochaine.